Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty. J'en fais un petit peu moins maintenant parce que je vous montre toujours la même chose, donc je peux comprendre qu'au bout d'un moment ça lasse un petit peu. Donc encore une mêlée générale, mais bon, celle-là elle est particulière, je commence mal et je finis très fort. Et pour rien vous cacher, ben je vous cache tout, je vous cache tout, vous verrez à la fin. Mais je vous dis franchement, je commence mal, mais je finis très fort. J'utilise la K12 là pour l'instant, après je changerai. Je repasserai sur la balle, je crois, mais je ne suis plus certain. Tout de suite, là maintenant, regardez, Black Ops, stop, stop. Ah oui, je passe donc sur la balle, mais c'est une version spéciale de la balle que vous pouvez débloquer donc dans votre arsenal. Donc elle a un long canon, comme vous pouvez le voir, donc j'ai plus de portée, j'ai moins de dégâts, mais j'ai beaucoup plus de cadence aussi. Et ça, vous allez voir que, bon là, j'étais un petit peu en train de dormir, en train de faire autre chose, mais ce n'est pas grave. Et vous allez voir qu'effectivement, que sa cadence permet aussi de compenser donc son manque de dégâts. Voilà, ça vous allez pouvoir le voir. À savoir que c'est une classe en surarmement, donc j'ai un sniper à disposition. Non, ça c'est pas moi, c'est moi qui me fais shooter plutôt avec le même sniper, justement le Morse. Donc j'ai le Morse en sniper, je ne me rappelle plus si je vais l'utiliser ou pas. Sachez qu'en ce moment je suis en train de travailler un peu le sniper, c'est que franchement je m'en sors assez moyennement bien, on va dire. Certaines parties, bah certaines maps, je m'en sors très très bien, d'autres un petit peu moins. Et voilà, c'est pour ça que tu es surarmement, pour comme ça au cas où je m'en sors pas très bien, et ben j'ai toujours la possibilité de me rattraper avec une balle tranquillement, voilà, avec un fusil d'assaut. Vous avez vu le mec là, il campait tranquillement dans son petit coin. Le pire c'est que je vais revenir et je vais me refaire shooter, je crois, si je me rappelle bien. Attendez, on va voir ça tout de suite. Voilà, j'y retourne, je me dis bon, le mec il doit être là, je sais que je l'ai vu, etc. et tout, et je vais mal calculer mon coup. Attendez, j'y vais, il est là, vous avez vu, il a changé de côté en fin de compte, il a changé d'angle, il était de l'autre côté, il a ciblé de l'autre côté. Alors voilà, ça c'est un petit peu ce qui me saoule un peu dans les mêlées générales, ou dans n'importe quel mode de jeu, en dehors des modes d'objectif, où je peux comprendre qu'on protège un drapeau ou autre, un objectif, mais dans le mode de jeu de mêlée générale, MME, confirmé, les mecs comme ça qui sont dans un coin, qui attendent, quelqu'un passe, ils le butent, après ils changent d'endroit, au même endroit, mais dans un autre angle, ils attendent que la personne revienne pour le buter. Alors oui, ça semble efficace, mais voilà, c'est pas du tout mon type de jeu. Bah, vous le savez bien maintenant, vous avez vu comment on joue, c'est un peu full rush, j'arrête pas de bouger, je suis toujours à droite à gauche. Ça m'arrive maintenant de camper un petit peu, je précise, quand je suis au sniper, parce que je n'ai pas encore la technique du flash cop, du skid scope, qui est vraiment magnifique pour ceux qui le font, quand même en l'air, etc. Je réussis pas. Mais j'essaie d'apprendre et je pense qu'après, quand je réussirai à le faire, j'aurai plus besoin de camper. Quand je dis camper, franchement, c'est tout est relatif. Hein. Je vous ferai une petite partie au sniper, vous allez voir que je campe pas vraiment camper. On peut pas dire que c'est du camping. Voilà, vous verrez de vous-même. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et bien sûr, c'est joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Bientôt la fête de fin d'année. Et pour l'instant, c'est joyeux Noël. J'espère que vous avez plein de cadeaux, que vous allez avoir votre Call of Duty, que vous allez avoir, etc. Plein de choses. Sachez que moi, aujourd'hui, j'ai précommandé sur Amazon Order 1886. Je vous donne un plan. Édition limitée. C'est Micromania. C'est 75 euros. Il est revenu. Et là, je suis très content. Voilà, vengeance, vous avez vu, je me suis vengé. Ça, c'est super. Et donc, je vous disais donc, Order 1886, édition limitée, donc avec les DLC, avec des bonus DLC d'Amazon, pour le mode solo, bien sûr. 75 euros chez Micromania et 58 euros chez Amazon. Il n'y a pas photo, on sait quoi faire, c'est fait. Voilà, Micromania, je crois qu'ils vont perdre beaucoup d'argent cette année. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez encore de bonnes fêtes. Allez, joyeux Noël, bye bye. Activé. Colis stratégique ennemi en approche.
mouvement du module de recherche. Éloignez-vous de la zone d'atterrissage. Drone ennemi activé. Coriace, continuez à tirer.